Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous parlerai un peu plus en détail sur les frais d'eBay et quels sont les frais sur la plateforme américaine eBay.com et la plateforme française eBay France. Je vous expliquerai la différence. Je vais vous montrer exactement des exemples. Passons à mon ordinateur, comme ça je vous montre exactement comment bien comprendre les frais sur eBay. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube en appuyant ici sur la touche s'abonner. Ensuite, appuyez sur la cloche pour être informé quand je mettrai des nouvelles vidéos chaque semaine. Bonjour et nous voilà de retour avec cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous explique la différence des frais, comprendre un peu plus en détail les frais d'eBay. Alors, je vais vous montrer la différence entre la plateforme eBay.com, c'est les États-Unis, et eBay.fr, c'est vers eBay France. Pour savoir exactement les frais, vous voyez, ça c'est mon compte français, j'appuie sur Aide, vous appuyez là-dessus, et ensuite on peut voir les frais. Je vais tout simplement chercher les frais, par exemple, vous avez ici frais et factures, j'appuie là-dessus. Si vous voulez contacter eBay, vous appuyez sur Nous contacter. Moi, je vais vous montrer les résultats sur les frais, frais et factures. J'appuie là-dessus. D'abord, c'est très important que je vous explique. Il y a deux genres de vendeurs. Vous êtes ou bien vendeur particulier ou bien vendeur professionnel. Je vais vous expliquer exactement la différence. J'appuie sur frais pour les vendeurs particuliers. Et pour commencer, vous allez voir que si vous êtes un vendeur particulier, vous avez droit à 150 annonces gratuites. OK? Alors, 150 annonces que vous ne devez pas payer les frais d'insertion. C'est-à-dire, si vous allez mettre ces produits en vente, si vous allez mettre 150 annonces en tant que vendeur particulier, il n'y a pas des frais. Il ne faut pas payer pour mettre les produits en vente. Mais il y aura des frais si vous allez vendre les produits. OK? Si vous allez vendre des produits, il y aura une commission à payer à eBay. Ensuite, après les 150 annonces gratuites, si vous avez plus, vous devriez payer 35 centimes d'euros par annonce. Maintenant, je vous montre la même chose sur la plateforme américaine. Alors, je suis sur eBay. J'appuie sur Help and Contact. La même chose. On va aller un peu plus bas et on va choisir Fees and Invoice. Et ensuite, j'appuie sur Selling Fees. Alors, c'est très important que je vous montre que sur la plateforme américaine, on recevra 50 annonces gratuites. OK? Vous recevrez seulement 50 annonces et là, vous recevrez 150 annonces gratuites. Il y a une différence. OK? Alors, c'est peut-être plus simple si vous allez travailler d'abord sur eBay France et là, vous recevrez 150 annonces gratuites en tant que vendeur particulier. Et là, vous recevrez 50 annonce gratuite avant d'avoir une boutique, avant d'ouvrir une boutique. Si vous allez décider d'ouvrir une boutique, alors vous devriez payer un abonnement, l'abonnement pour une boutique. Mais sur la plateforme française, ils appellent ça, ça s'appelle un vendeur professionnel. Ok, là vous avez frais pour les vendeurs professionnels. J'appuie là-dessus. Et là vous pouvez voir tout simplement que ça dépend si vous avez une boutique. Si vous avez une boutique, sans boutique, bon, il n'y a pas de frais, mais si vous allez prendre, disons, choisir d'avoir une boutique avec 300 produits, ça vous coûtera environ 20 euros, 19,5 avec la taxe. Ok, ça c'est une boutique basique. Et sur la plateforme, disons que vous allez choisir 10 000 produits, alors là, ça vous coûtera, disons, 40 euros presque par mois. Hein, et vous pouvez annuler l'abonnement quand vous voulez. Il n'y a aucun engagement. Si vous avez décidé après un mois ou deux mois, vous ne voulez pas continuer, alors vous pouvez tout simplement annuler l'abonnement. Mais je vois que aussi les 10 000 produits que vous avez droit à vendre sur la plateforme française, vous avez aussi droit à mettre 1 000 produits sur la plateforme américaine. Ce 40 euros par mois vous propose 1 000 produits sur la plateforme américaine. Mais c'est très important que vous devez prendre en considération
qu'il y a des limites de vente sur eBay. D'abord, il faut parler avec eBay et voir quelles sont les limites de vente que vous avez sur votre compte eBay. Parce que si votre limite de vente ne vous permet pas de mettre 10 000 produits, ce n'est pas nécessaire de prendre une boutique ou de faire un abonnement pour une boutique de 10 000 produits. Si vous avez droit à vendre 100 produits, alors je vous propose de ne pas avoir une boutique avant que vous avez d'abord augmenté votre limite de vente. Ok, sans augmenter la limite de vente, même si vous avez pu augmenter à 300 produits, alors ça peut devenir intéressant d'avoir une petite boutique à 20 € ou 19,5 € par mois. Un des avantages d'avoir une boutique, c'est d'abord que vous aurez la possibilité de faire les annonces sponsorisées. Vous pouvez mettre la boutique en état de vacances si vous voulez prendre quelques jours de repos. Et vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas un compte, si vous n'avez pas de boutique. Alors tout ça, c'est il y a quelques avantages qui vous offrent des options que vous ne recevrez pas sans une boutique. Ensuite, une fois que vous avez mis les produits en vente, si vous avez dépassé les 300 produits, ça vous coûtera encore 10 centimes par produit que vous allez rajouter. Je vais vous montrer sur la plateforme américaine combien coûtent les boutiques eBay Store. Your eBay Store, vous pouvez regarder ici un peu plus bas. Et là, vous pouvez voir quelles sont les options de boutique qu'on vous offre sur la plateforme américaine. J'appuie là-dessus, eBay Store. J'appuie sur Store Selling Fees. J'appuie là-dessus. Et là, vous pouvez voir en ce moment, vous avez la première boutique qui vous permet de mettre, disons, à 8 $ par mois ou bien 5 $, mais ça, c'est un abonnement pour toute une année. Alors, vous êtes engagé à une année. Et vous devez continuer à payer cet abonnement, même si vous décidez vous ne voulez plus continuer, vous êtes engagé, ou bien vous aurez une pénalité d'eBay. De toute façon, ça, c'est un engagement par année. Ça, c'est un engagement par mois. Et là, vous pouvez voir, ça vous permet de mettre 100 produits par mois. Starter, ils appellent ça. Ensuite, vous avez Basic, 28 $ plus ou moins, ou 22 $. Ça dépend de si vous faites un abonnement par mois ou par année. Et ça vous permet de recevoir 250 produits par mois. Okay? 250 produits. Et rappelez-vous bien que sur la plateforme française, pour 20 €, vous avez 300 produits. Okay? Et vous pouvez mettre aussi à l'international que vous êtes basé sur la France, mais vous vous expédiez mondialement si vous voulez vendre des produits pareils. Ensuite, vous avez aussi Premium. Ça, c'est déjà une boutique un peu plus intéressante. 75 $. Et là, vous avez 60 $ pour un abonnement annuel payé par mois. Et ça vous permet de mettre 1 000 produits. Je vous montre ici, vous avez 1 000 produits en vente sur votre compte. Mais sur la plateforme française, vous recevrez à 40 € 10 000 produits. Alors, ça, c'est un peu plus intéressant. Vous voyez, vous avez 10 000 produits pour 40 € et vous recevrez les 1 000 produits pour les États-Unis. OK, 1 000 produits, vous avez sur les États-Unis. Là, ça vous coûte seulement 40 € quand sur la plateforme américaine, vous devrez payer 75 $, plus ou moins. Ça, c'est pour un abonnement par mois, et c'est-à-dire 1 000 produits uniquement sur la plateforme américaine. L'avantage, c'est que pour 40 €, comme vous avez vu ici, 40 €, vous recevrez les 1 000 produits aux États-Unis, plus 10 000 produits sur la plateforme française. Alors, je pense que c'est peut-être plus intéressant d'ouvrir cette boutique sur la plateforme française. Mais comme je vous ai dit, c'est très important de bien voir que vous avez la possibilité de recevoir ces limites de vente, que vous avez augmenté la limite de vente sur la plateforme française. Ok, alors vous devez tout simplement être sûr, vous contacter eBay et vous pouvez voir et directement quelle est la limite de vente que vous savez. Ce que je vous propose aussi, si vous voulez voir vos limites de vente, si vous n'êtes pas sûr quelles sont les limites de vente, vous allez sur Aide et là vous pouvez mettre tout simplement limite de vente. Vous voyez, vous avez ici limite de vente, vous appuyez là-dessus et là vous pouvez voir exactement quelles sont vos limites de vente et si vous voulez augmenter
la limite de vente, vous pouvez tout simplement demander une augmentation de limite. Okay? C'est très important de voir d'abord quelle est la limite de vente dans votre compte avant que je vous choisissiez de faire un abonnement avec eBay. C'est autrement, vous risquez d'avoir des frais pour avoir une boutique quand vous n'avez pas le droit encore de vendre des quantités que vous souhaitez vendre quand vous aurez cette boutique. De toute façon, on peut voir dans cette vidéo qu'il y a un avantage de travailler sur la plateforme française. Une dernière chose que je voulais vous montrer qui est très importante, c'est la commission sur le prix final par catégorie. Alors vous allez voir que produits électroniques, c'est environ 3% sur la plateforme française. Des vêtements, c'est environ 8%. Et ça, c'est le plus cher qu'on voit ici. Maison, jardin, bricolage, environ 7%. Et des autres catégories, environ 6,5% des frais que vous devrez payer sur les ventes, uniquement les ventes que vous avez eues sur la plateforme. Si je vais sur la plateforme américaine, alors vous pouvez voir les frais. Si vous avez une petite boutique de 100 produits, ça vous coûtera environ 10% de frais. Vous avez 12%. Et bon, guitare, c'est très important que vous sachiez que c'est environ 3,5%. Et si vous allez avoir une boutique basic, c'est de 250 produits, 1000 produits, 10 000 produits ou des boutiques un peu plus élevées, alors vous allez voir que le frais minimum, c'est environ 9%, 15%. Alors de toute façon, on peut voir que les frais sur la plateforme française seront toujours moins chers. D'abord, les frais de l'abonnement de la boutique. Vous recevrez 150 annonces gratuites en tant que particulier. Et vous devrez payer le maximum 8%. Ce sera le maximum de frais que vous devrez payer après la vente. Après que vous aurez fait des ventes, vous paierez uniquement 8%, pas plus. Sur la plateforme américaine, le minimum de frais que vous aurez sera bon, 9%, 15%, c'est en général. Sauf si vous allez vendre des produits, par exemple, de musique. C'est 3% et demi. Des produits industriels ou des produits pour des restaurants, ça peut coûter, disons, 2%. Mais en général, la majorité des frais sera 9%, 15%. C'est important que vous voyez et que vous preniez tout ça en considération, que vous avez un petit peu moins des frais sur la plateforme de eBay France. Okay, une dernière chose, je voulais vous montrer qui est très importante. J'ai un site que je vais vous donner le lien ici. Et là, vous pouvez calculer les frais. Sur eBay France, je vous montre exactement comment ça fonctionne. Vous allez tout simplement, disons que je vais vendre un produit à 100 euros. Vous voyez, les prix sont en euros. 100 euros. Et directement, vous allez voir le frais sur eBay, c'est 8 euros. OK, ça fait que c'est 8%. Et les frais de PayPal, 3,65 euros. OK, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est très simple, pratique. Ça t'est mis à jour le juillet 2019, c'est-à-dire que ça, c'est un site qui est assez récent et nouveau, qui fonctionne bien. Vous pouvez aussi mettre les frais de port. Disons que je rajoute, disons, 20 euros pour l'exemple. Alors, vous pouvez voir qu'il y aura des frais supplémentaires parce que vous devez payer les frais sur la vente et frais du port. OK, frais de port. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est très simple, très pratique. Vous pouvez recevoir un peu plus des informations. Ils expliquent ici qu'on a 150 annonces gratuites. Qu'est-ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo? De toute façon, là, vous pouvez voir aussi la commission finale, c'est 8%, et frais de PayPal. OK, vous avez toutes les informations. C'est très simple. Et là, si vous voulez voir vendeur professionnel, on appuie là-dessus. Et là, ça dépend quel genre de produit vous allez mettre en vente. Okay, d'après ça, vous pouvez voir exactement le pourcentage. C'est très simple. Et alors, bon, disons que je vais mettre autre catégorie, par exemple. La même chose, vous pouvez mettre, disons, 100 euros et vous verrez exactement combien vous payez. Très simple, très très pratique. Je vous mets le lien ici et j'espère que ça vous aide. Vous avez des questions, vous pouvez les marquer en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un like. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez les marquer en dessous de cette vidéo. Vous pouvez voir mon livre gratuit. Il se trouve en dessous de cette vidéo. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Et j'ai un cours gratuit. Vous pouvez voir aussi le lien en dessous de cette vidéo. Toutes questions que vous aurez ou des informations que vous voulez partager,
écrivez-les en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et on se verra dans la prochaine vidéo.